Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir, chers amis. Donc, je ne sais plus du tout ce que nous faisions, ce que nous voulions faire. Nous avions cependant commencé, oui, nous avions commencé à faire la différente direction donnée pour ce qui est de la. Hop. Voilà, il me faudra un deuxième camion pour 4 aluminium. Ok, il faudra que j'arrive à trouver 4 aluminium quelque part. Pour ce qui est de la base, je vous rappelle une seconde partie où je vais essayer d'optimiser un maximum ma base et pour améliorer simplement le développement de la base au fur et à mesure. Hein. Rien de plus simple, enfin rien de plus comment, rien de moins compliqué. On va plutôt s'arrêter là-dessus. Donc on va continuer à aller chercher de l'aluminium. J'espère que j'ai la place qu'il faut dans mon sac. Parfait, j'en ai un petit peu d'ailleurs. Non, j'ai un petit peu d'aluminium. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu de saloperie dans mon sac, mais on va corriger ça tout de suite. Normalement, je suis censé pouvoir placer le cuivre, rien que le cuivre déjà, par exemple. Ici, voilà, parfait. On va le placer ici. Il va me falloir donc 3 aluminium supplémentaires, chers amis, pour augmenter la capacité de transport de mon rover. En tout cas de mon camion. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont... Voilà, par exemple ça va arriver maintenant. Pourquoi? Parce que la physique en fait va être utilisée sur plus d'objets. Maintenant il y a eu des mises à jour entre temps, hein, chers amis, hein, tout simplement. Et donc la physique va avoir plus de... Comment de capacité, on va dire. Et il y a apparemment beaucoup de surprises. Donc apparemment toutes les choses nouvelles ne seront pas annoncées par les devs. Il y aura apparemment des surprises à découvrir. Je vais laisser ça là pour le moment, on remontera tout à l'heure. Donc voilà, c'est un jeu qui se veut à la fois mystérieux dans son... J'irais bien voir, je suis pas allé voir par là. Oh, de l'aluminium. Non, c'est du cuivre ou c'est de l'aluminium? Aluminium, parfait. J'aime trouver ce que je cherche. Ok. Ça suffit? Ah, pas encore. Ah, c'est à peine saoulant ça. Voilà, merci. Crac. J'entends pas le son du jeu. Ouais, voilà, ça va être mieux comme ça. C'est mieux quand j'ajoute du son dans mes écouteurs. Du coup, il est possible que vous en ayez pas vous aussi en début. C'est bon, c'est comme ça. Vous allez voir aussi que les qualités visuelles de la série vont augmenter. Hein. Je l'ai dit dans une vidéo. Mais alors, du coup, est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai dit dans des. Ah, j'ai pas trouvé la dernière qui me reste. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Même là-dedans. Non, dommage. Alors, on m'avait dit que c'est un outil d'aplanissement de terrain, ce qui fait que je vais pouvoir aplanir. Ouais. Effectivement, c'est pas si inefficace. Ok, bon, on a réussi à passer, cela dit. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok. Hop. Apparemment, j'ai pas fini comme il faut. Crac. On récupère de l'énergie de la base, qui est une bonne nouvelle. Alors. J'ai déjà été agressé. Ça y est, c'est le début. C'est vraiment de la saloperie, ces trucs-là. C'est bon, je suis hors de portée ou... Je suis hors de portée, donc je vais pouvoir... Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci d'être passé. À la prochaine. Je devrais pouvoir les prendre. Merci. Crac. Et j'en ai plus. On va crafter le reste. Plus de rallonge, s'il te plaît. Voilà. J'ai l'impression que ça a été légèrement plus long. C'est peut-être dans ma tête, encore une fois. Ok, parfait. Personnellement, je penserais, tout bêtement, que si des développeurs disent trouver, c'est que ça utiliserait le fonctionnement de le système de recherche intégré au jeu. Donc, c'est-à-dire, j'affiche quand même qu'il n'y a rien dans les alentours. Là, il y a un petit peu d'énergie apparemment. C'est pas ce que je cherchais. Je crois que c'était de la. Et non encore, merde. Ah, ça se bloque au... D'accord, parfait.
Du coup, j'attends de regarder si on a des choses intéressantes dans le coin. Et apparemment, non. Donc, je vais remonter ces trois trucs-là. En tout cas, du mieux que je peux. Tombe pas, ce serait cool, merci. En tout cas, je vais les mettre peut-être là pour l'instant, uniquement. Et on reverra ensuite. Ok, bon. Bon, je vérifie que mon micro fonctionne. Oui, c'est bon, apparemment, il enregistre. Je vérifie quand même sur... là. Ça enregistre parfaitement bien. Ok. Oui, c'est le son qui se coupe quand je change comment, de fenêtre, chers amis, hein, simplement. Hop. Crac. Ok. Je vois que là aussi, il y a des saloperies. J'ai cependant envie d'aller... J'arrive pas à discerner. Et de une. Et de deux. Et de trois, parfait. Je ne vois cependant pas. Faudra qu'on revienne par ici aussi à un moment ou à un autre. C'est bien, ça crée de la lumière, donc ça peut-être. Si je peux au moins éclairer les. Voilà, les trucs rouges, ça pourrait être cool. Ouh là, il y a un trou au milieu là, non? Aha! Ok, faudra faire attention. On va essayer de remonter ça. De toute façon, j'ai pas la place pour les balader pour le moment, donc je vais en monter qu'un, c'est pas grave. Un rouge de préférence. Pourquoi le rouge de préférence? Aucune idée. Et il me manque un tout petit peu de. Ah. Il me manque un tout petit peu d'aluminium. Et il y en a juste là. Je vais tenter de suivre par là, vous allez voir. Je sais que je peux descendre par là. Ah la vache! J'ai pas compris, je m'étais fait agresser. Effectivement, ils sont nombreux. Effectivement. Est-ce que je peux... Parfait. Ah, c'est de la latérite. Bah, c'est parfait, c'est ce que je cherche. Je suis con. Bah, je peux l'avoir de là, donc bah, écoutez, on va remonter comme ça. Je prends le rouge et on part. D'accord. Ok. Je peux le placer à l'avant. Remarque, peut-être en placer un à l'arrière. On va essayer d'en placer un à l'arrière. Ça en fera toujours deux. Puis ça me fera beaucoup plus, mais alors beaucoup, beaucoup plus de capacité de transport une fois que j'aurai mon deuxième rover, hein, clairement. Parfait, je peux. Oh la vache, vous avez vu le poids sur le rover? Ah oui, c'est vrai. À la souris. Hop. Hop, parfait. On va dézoomer un petit coup quand même. Et on est bon. Nous sommes arrivés. Oh, le petit dérapage! Excuse-toi! Ok. Rechercher, ce sera là-bas. Je vais refaire le truc ici, hein, n'inquiétez pas. Alors, du cuivre. Ok, pourquoi pas. Hop. Je vais aller mettre... je dois avoir un four quelque part. Voilà, ici. Parfait. Au niveau du four, je vais aller mettre tout ça. Crac. Ensuite, je dois avoir un d'aluminium oui, sur moi, c'est parfait. Merde. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dû faire une connerie. Je sais pas quoi. Je sais pas véritablement quoi, à vrai dire. Mais c'est pas grave.
camion. Hop. Voilà. Je fais ça. Je peux rechercher celui-là. L'objectif là, ça va être de trouver aussi de quoi faire des piles, chers amis. Des piles qui nous permettront d'avoir de l'énergie même de nuit, en fait, tout simplement. Hein. C'est rien de plus compliqué. Plus on aura d'énergie, plus on sera capable de résister aux nuits et aux autres moments où justement il y aura. Il en reste du composite ici. Ah, vous voyez, le truc s'est effacé. Par conséquent, je peux considérer que. C'est refermable. J'aimerais bien qu'il y ait un. Qu'il y ait un. Comment un système de repousse. Ce serait sympa, regardez. Ok, voilà. C'est un peu plus propre. Parfait. J'ai donc enfin un véhicule. On va réduire la distance entre les deux. Crac. Et je me suis mal garé. Ok. Hop, c'est ici. Je me suis encore mal garé apparemment. Trop loin sans doute. Non, c'est pas le bon truc. Calme-toi, Marcus. Hop. Voilà. Crac. On devrait être bon. Voilà. C'est parti. Il a du mal un petit peu, hein. C'est peut-être parce que j'ai trop de câbles. Je vais essayer de réduire le câble, la quantité de câbles. Petite marche arrière. Voilà, je peux pas être plus court là, je pense. Hein. En tout cas, difficilement. C'est tellement court que j'ai du mal à viser le câble. Ok, bon, on va avancer encore un petit peu. Ok, c'est peut-être bon là. Voilà! Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, il en chie. Hein. Je veux pas dire, mais il en chie. Hein. Ok, parfait. Ok, on est bon. Donc deux camions, c'est dur à tracter. Bon à savoir, on est où dans l'épisode? On est à 13 minutes, on a encore largement le temps. On va continuer à explorer ces crottes. Parce qu'il nous faut toujours plus de matériaux, chers amis, hein, forcément. Vous connaissez le principe. Ok. Voilà, j'ai tué la dernière. Donc dans une descente, forcément, l'outil d'aplanissement me sert à rien. Ok. On va voir si on peut monter. Apparemment, on peut remonter, c'est parfait.
Voilà. Pas d'énergie. Oui, effectivement, si je raccorde pas, je vais vite me retrouver dans la merde. Ici, en termes de physique, vous voulez pas tomber? Ok. Ok. Voilà. Et on a notre escalier pour monter et descendre. Parfait. Ok, cool. Donc, on a pu descendre, chers amis, ça y est. On est donc un peu plus profond sous terre. Je ne sais pas si c'est pour autant plus risqué. De la malachite, du matériau de cuivre. Je vais en prendre vu que j'en ai sous les yeux. Puis on va remonter. On va aller voir véritablement ce dont on a besoin. Je ne sais plus du tout ce qu'il me faut pour faire une deuxième plateforme entre guillemets de décollage. Ou alors je la fais ailleurs, je la fais sur. C'est peut-être ça qu'on va faire, chers amis. Tout simplement. C'est peut-être ça qu'on va faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de placer une base. De placer une base qui sera en fait. Donc un deuxième habitat, hein, je précise. Qui sera en fait l'équivalent d'un deuxième point d'atterrissage. Que je pourrais rejoindre via genre quelques mètres à côté. Vous voyez, ce sera très très simple. Que je pourrais rejoindre peut-être via la montagne. La fameuse montagne qu'on a pu voir, vous savez, et grimper. Hop, parfait. On continue d'avancer. C'est trop loin. Hop. Donc encore plein de trucs de découverte à trouver, hein, apparemment. Encore de ces monstres. Il n'y avait que deux, il n'y avait que deux. Alors apparemment il y a un truc recherché ici aussi. Ok. Hop. Je fouille un peu, hein. Littéralement. Hein. Hop, on va y aller. On va remonter. On va remonter avec un seul pour le moment. On a pu voir un petit peu ce qu'il y avait. Comme je l'ai dit, l'objectif, ça va être surtout de voir ce dont on a besoin maintenant. Et essayer de répondre à ce besoin le plus rapidement possible. Ah, je bloque dans les lampes. Ça m'arrive souvent. Crac. Ah, j'ai perdu le lien du coup avec les deux. Voilà. Je préfère avoir des liens continus, chers amis, qui soient pas mauvais. On va aller poser celle-là sur le rover. Ensuite, on va descendre en chercher quelques autres, pardon. D'ailleurs, j'ai dû laisser au passage le cuivre sur le côté, ouais, effectivement. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, crac, les voilà. Je vais pouvoir en remonter un paquet, hein, faut être honnête, là je vais pouvoir en remonter un grand grand nombre. Par conséquent, je vais le faire. Hein. Ah, il veut pas rester sur place celui-là. Hop. Attention à pas cliquer sur. Hop. Ah, il se clipse automatiquement dessus. Ok, je peux pas choisir le plot, en fait, littéralement. Pourquoi pas, hein, ça me dérange pas. Je sais qu'à droite, je vais en avoir encore. Et c'est souvent le même. Je l'ai perdu, je m'en doute un petit peu. Hop, celui-là, je l'ai pas perdu. Celui-là, je l'ai pas perdu. Ok, alors ce que je vais faire par contre ce passage, vu qu'on est là,
Effectivement, maintenant que j'ai compris, ça marche assez bien. Voyez, je peux même petit à petit aplanir. Enfin bon, je suis assez mauvais, hein. Faut reconnaître que là, pour le coup, je suis vraiment très très mauvais. Voilà, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Vous, je vous amène. Je vous emmène, pardon. Blah! Rototo. Au moins, vous savez quand est-ce que je mange, quand est-ce que je mange pas. Est-ce que je dois dire vraiment au moins? Est-ce que ça vaut le coup de dire au moins? C'est plutôt du coup. Hop. Non, non, tu ne glisseras pas. Tu ne glisseras pas. Putain. Arrêtez de vouloir glisser. Hop. Crac. Oui, du coup, comme je le disais, vous pouvez peut-être sans doute déjà voir une amélioration pour ce qui est de l'aspect graphique de la vidéo, l'aspect visuel de la vidéo. Vu qu'il y a eu un. En fait, j'avais fait un mauvais réglage, à mon avis, ou alors un mauvais truc lors d'une mise à jour, qui fait qu'en fait, vous voyez tout en 1500 quelque chose. Bah, effectivement, c'était beaucoup moins intéressant, quoi. Ok, on rentre à la maison avec moult objets. Hop. Non, 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 non. Voilà. On va aller par là. On va aller par là. De toute façon, j'ai pas besoin à l'heure actuelle de me recharger sur le plot. Du coup, j'ai pas besoin de le rapprocher du plot. Ok. On va se mettre là. Ah, bah, de toute façon, je peux me recharger sur n'importe quel plot. Ah, bah, comme ça, c'est cool. J'apprends des choses, chers amis. Hein. J'ai perdu un. Bon, bah, j'ai perdu le truc qui était à l'arrière. Bizarrement. La recherche. Merci. Il voulait pas. Il voulait pas. Du composite. Bah écoute, pourquoi pas, je suppose. Ah merde, on tombe en panne d'énergie pile à ce moment-là, quoi. Ce qui serait bien, ce serait de trouver du lithium. C'est du charbon, c'est pas du lithium. Parce qu'en trouvant le lithium, en fait, je pourrais rajouter des batteries supplémentaires à la base. Tout simplement. Et ce serait pas du luxe. Ce qui est une blague, je viens de m'en rendre compte. Parce que... non, je vais pas... Je vais pas l'expliquer, parce que les blagues qu'on explique, c'est les moins bonnes, chers amis. On me l'a expliqué, j'ai bien enregistré, j'étais pas drôle. Ok, ça va. Ah bah merde, j'ai visé à côté. C'est ce qu'elles me disent toutes. T'as visé à côté, connard! Bon, c'est pas grave. Oui, je me fais souvent traiter de connard. Non, je rigole. On va arrêter la victimisation, la fausse victimisation du Marcus. Hop. Et du coup, j'ai plus assez de piles. Et pour avoir des piles, il me faudrait du lithium. Forêt, batterie, générateur... Habitat, donc voilà, c'est peut-être prendre un habitat et ensuite voir batterie, donc ce serait de lithium. De lithium à faire, à trouver, pardon. Le lithium, ça se présente sous quelle forme déjà? Ah oui, c'est des espèces de pics comme ça, bloc. Ok. J'en ai pas vu encore du lithium. Je vais regarder quand même sur le wiki d'Astronir. Histoire de pas gâcher votre temps. J'ai trouvé. Latérite. Lithium.
regarde à quoi ça ressemble. D'accord, c'est tout simplement les mêmes choses, mais en bleu. Ok, donc ça va être compliqué à trouver, j'ai l'impression. Bon, pourquoi pas. Eh ben écoutez, Jean-Mi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Moi, je vais attendre le jour pour pouvoir faire lancer la recherche avec vous dans le prochain. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et je vous explique comment je vais faire ma base, ma deuxième base pour la fusée dans le début du prochain épisode, simplement. Voilà. Salut les gens, merci d'avoir suivi l'épisode. Un pouce vert, c'est bien, c'est cool. Et abonnez-vous si c'est pas le cas.